Et bien le bonsoir les amis et bienvenue sur Perla Galère Gaming. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes en pleine forme, que votre week-end s'est bien passé et que vous êtes prêts à attaquer. À attaquer quoi? Bah, The Last of Us Part 2. Les amis, on va voir. On va voir si ça me plaît, si je me retrouve dans le jeu. Le premier opus a été un bon jeu. Salut Massoso, comment ça va? Bienvenue à tous. Installez-vous confortablement, je s'occupe de tout, vous s'occupez de rien. On va se mettre en plein écran comme ceci. Je pense que je vais épurer peut-être un maximum. On va lever les bibites. On fait ça tous en direct. Je mets le chat là comme ceci. Et on est parti. On est parti pour une nouvelle aventure sur la chaîne The Last of Us Part 2. Écoute, ça va très très bien, Massonien. J'espère que ça va vous faire plaisir. J'espère que ça vous plaît. Et nous, eh ben, on va regarder si ce jeu nous charmera autant que le premier. Et le premier nous a charmé, mais pas tant que ça. Donc on va regarder un petit peu. On a adoré les personnages, j'ai beaucoup aimé les personnages du premier opus bien sûr. C'est la difficulté qui m'avait un peu rebuté. Allez, on est parti les amis. Oui, j'ai mis le temps. Effectivement, j'ai mis le temps avant de m'y mettre. C'est vrai? Eh ben écoute, on regardera ça alors. Je sais pas ce qui m'a pris. J'étais censé la conduire jusqu'au Luciole et m'en aller. Dis-moi si le son est bon pour vous ou si j'augmente. On a traversé la moitié du pays ensemble. Ah, Joël. L'ami Joël. Histoire d'Hermède. Peut-être que je faisais ça pour son bien. Voilà. Et puis on est arrivé. Mais de rien, avec plaisir. On a trouvé les Lucioles. Grâce à elles, ils allaient enfin pouvoir faire ça. Mais... Le seul problème. Pas encore. Que ça l'aurait tué. Eh, hey, bonsoir mon yo-yo, bon anniversaire. Qu'est-ce que vous faites là? Joyeux anniversaire yo-yo. Vous ne pouvez pas la prendre. C'est notre avenir qui se joue ici. Pensez à toutes ces vies qu'on pourra sauver. Putain de merde, Joël. Qu'est-ce que t'as foutu? Mais il l'a fait sortir. Eh, champagne, bien sûr. Je l'ai sauvé. Champagne yo-yo, champagne, joyeux anniversaire. Je suis désolé, je coupe, je m'excuse. Mais de rien, avec plaisir, désolé les gars, je fais la coupure. C'est pas la meilleure chanson joyeux anniversaire, mais je l'ai fait à la va-vite tout à l'heure, donc pour yo-yo, les amis, je suis désolé. Donc j'espère que ça t'aura fait plaisir. Et puis bah écoute, c'est avec plaisir en tout cas. Un très très bon anniversaire à toi. Elle est un peu longue. J'ai pas le temps de couper rien. Je vous l'ai mis tel quel, tu vois. Restez les gens, restez, ne partez pas, on va reprendre. mais quand c'est votre anniversaire et que vous êtes un habitué de la chaîne, bah écoutez, ça peut popper comme ça. En tout cas. Et on va repartir avec Joël. 3 minutes de commande, c'est ça?
C'est exactement ça, ce son. J'ai pas eu le temps. J'ai pas pu couper en fait. J'ai pas pu couper. C'est dommage. C'est très très dommage, mais non, mais c'est bon. C'est bon, c'est bon. Allez, on est reparti avec l'ami Joël, les amis. Et, et The Last of Us partout. C'est clair. Ellie est au courant. Je lui ai dit qu'ils avaient fait des tests. Je lui ai dit que son immunité servait à rien. Et elle y a cru d'après toi ? Elle n'a jamais dit le contraire. On devrait y retourner. Allez, c'est parti alors les amis, je pense. Salut Hudson. Allez. C'est parti. On y est les amis. On est reparti sur The Last of Us. Ah, il est beau. Ils ont gardé la patte. Alors la dernière fois, c'est il y a peut-être 6 mois. Ou un peu moins, ouais, peut-être un peu moins la dernière fois qu'on était sur The Last of Us. Mais ça va très bien mon Ludson, ça va très bien, ça fait tellement plaisir de te voir. Alors Ludson, on t'informe officiellement avec Sonia que nous avons tous les deux sur téléphone portable The Among Us. Donc il va falloir que tu nous formes, mon chouchou. Alors va falloir qu'on s'organise une soirée un de ces jours parce que ça ne va plus tout ça, mais t'as raison, mais complètement. Tranquille, je profite de ma pause repas entre deux games, j'ai vu ça. J'ai vu que t'étais super actif au niveau des games. Et du coup j'aimerais bien qu'on s'en fasse une, alors d'abord en off et puis si jamais ça nous plaît, je le prendrai sur ordi pour pouvoir le faire tranquillement tous ensemble. Ok, on a une grande ville. Est-ce que c'était la première ville qu'on avait rencontrée dans laquelle on avait été? Peut-être. Faudra me dire pendant les combats si le son n'est pas trop fort par contre, parce que pour la voix c'est bien, mais peut-être c'est pas ça. Est-ce que... Non, ça saute pas tout seul. Je vous avouerai pas être tout à fait prêt à rattaquer ce... Je me suis posé la question si j'allais vous le faire cette semaine ou si j'allais attendre encore un peu. Alors, il faut trouver au moins 4 personnes pour Among Us. Ouais, mais c'est pas très très grave, Soso, parce qu'il a une grande vie sociale sur Among Us, notre ami Hudson, donc c'est pas un problème. En permanence. C'est-à-dire que moi, nuit et jour, mon téléphone il sonne et ça fait et ça affiche des codes de Among Us en fait. Et salut mon Melio, comment tu vas? Bonsoir, bonsoir mon Melio. Les galériens, comment ça va? Eh ben je crois qu'ils vont bien les galériens mon Melio.
D'accord. Ah, c'est moins pratique, je trouve. Pour le faire courir comme ça, mais bon. Mon maillot, je sais bien. Pas mal. Regardez un petit peu autour de nous ce qu'on a, mais pour l'instant c'est pas mal. Comment s'est passée votre journée? Écoute, ma journée s'est bien passée et je suis assez content qu'elle soit finie. À vrai dire, un tout petit peu fatigué, mais pas trop. C'est juste parce qu'on s'est couché tard hier soir. On a découvert une nouvelle série là sur Netflix avec ma femme et du coup on s'est couché mais super tard. C'est bon, je m'en occupe. Vas-y. T'es sûr? Ouais. D'accord. Et pour ce que tu m'as dit tout à l'heure. C'est ça. Je crois bien que j'aurais fait exactement. Ça tombe bien. Poum poum. Ouais. À plus tard, Tommy. J'ai pas trop regardé Melio, moi par contre. Ça a l'air sympa, mais ça a l'air d'être un joyeux bordel, donc on regardera. On va se focus sur ce jeu. Et puis on verra ça un tout petit peu plus tard quand vous serez dispo, les amis. Ah, pas du tout mon yo-yo. Et voilà Ellie. Hey oh. Ellie. Une de ces trouilles. J'ai frappé à la porte. Mais... Ça va mon Melio. Ça va, ça va. Comment s'est passée ta journée? Tu nous as pas dit Melio. Salut. Yo-yo, t'as réussi à faire tes semis toi ou pas? Tu voulais quelque chose? Merci mon Melio. Rien de spécial. Tu sais... Tout le monde est très impressionné par toi. Par la façon dont tu sais... te rendre utile. D'accord, yo-yo. C'est cool. Ouais. Avec Tommy, on s'est baladé l'autre jour et... Il m'a raconté une blague et j'ai pensé à toi. C'est... Ah, j'ai oublié. C'était une histoire d'horloge. Ça va, ma soso, ça va. Écoute, il est super tard et... Ouais, c'est vrai, je sais. Je vais pas te déranger longtemps. C'est juste que. Je voudrais te montrer un truc. Donne-moi juste une seconde. Je sais, Lenson, je sais, je le somme. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça arrive. Des fois, le rush. Par ici, les gens appellent ça une guitare. C'est un deck. J'ai juste 60 heures. Ok. Super. Tu me promets. Ah, c'est vrai, Melio? Ok, tu vas pas te moquer de moi. C'est promis. Ledson. Je compte sur toi. Alors, comment ça fonctionne?
Ah. C'est pas simple. Ah, j'adore. If I ever were to lose you, I surely lose myself. Everything I have found here, I'm not found by myself. Try and sometimes you'll succeed to make this pain of me. Oui, oui, mais Lyon, on sait. D'accord, Yo-Yo. Ah, c'est vrai? Je l'ai pris, moi, Melio, sur phone. Pas mal, jolie voix. Elle me l'a fait augmenter déjà, Soso, mais je peux encore l'augmenter un petit peu si tu veux, mais on est déjà quasi au même niveau que ma voix en fait. Et j'ai peur après en fait mon Letson pour les combats en fait. Donc si jamais il faudra me refaire baisser. Hein. Soso avait dit que ça allait bien. Remas Soso. Je te dirais d'une première leçon demain soir. Eh oui, c'est pour ça, Lunson. Mais là, on est déjà bien fort, je pense. Hein. Tu me diras. Ah, la montre, elle est toujours cassée, regardez. Est-ce que... la blague t'est revenue? Possible, tu sais quel est le comble pour une horloge? Non, mais j'ai peur. C'est de devoir tuer le temps. Ouais. Moi, je le trouve bien, en fait. Non, je le trouve bien. Mais ça me plaît. C'est le genre de blague à la con que j'adore, en fait. En vrai. Allez, dors bien. Ah d'accord, j'essaierai, Melio. Ouais, je sais, Yo-Yo. C'est à peu près la même chose quand je fais de l'arrosage, en fait. Si tu ouvres l'arrosage et qu'il pleut derrière, c'est le bordel. The Last of Us partout, les amis. Allez, c'est parti. Hein. Pourquoi pas, why not? Alors si ça me plaît, je vous le continue. Si ça me plaît pas, je vous le continue. Non, je plaisante. Mais ouais. Alors, 4 ans plus tard. Ah oui, effectivement, elle a grandi un petit peu. Merde. Chouchounette à la crème. Ouais, surveille ton langage, c'est pas parce que t'es grande. Hein. Salut. Bonjour. Désolé, j'ai dormi trop longtemps. Je m'habille, j'arrive dans une minute. Ça va, ça va, je regarderai. Je te donnerai le nom d'une autre série aussi sur Netflix, tu verras. Elle est plutôt pas mal. Elle m'a embrassée. Tu connais Dina, tu sais comment elle est. Ça voulait rien dire du tout. Je parlais de ton engueulade avec Seth. Attends. T'as embrassé Dina? Ouais. Oh. Oups. Je croyais que... On est séparés depuis une semaine et tu bécotes mon ex? Non. Elle voulait peut-être juste te rendre jaloux. Moi, je voulais pas. Vas-y, ram. Putain. Tu vois pas que je te fais marcher. Je m'en fous, ça. Ah, des bisous, Lutzon. Merci d'être passé quand même. Hey. Des gros bisous, mon chouchou. C'était quand même pas très cool. Ouais. Allez.
Ça pue pas. Enfin, c'est pas bon signe quand même. Quand tu commences à sentir sous tes aisselles, juste pour savoir si tu dois prendre une douche ou pas, c'est que ça pue. Moi, je te le dis. Parce que moi, spécial, je passe par la douche, je sens pas mes aisselles, c'est pas la peine. Putain. Pardon. Excusez-moi. Ça y est, c'est parti. Loïc, il est parti. Enfin, je sais pas moi. Sonia, tu fais ça toi le matin ou tu vas direct sous la douche, tu t'en fous? Parce que moi, spécial, si je commence à devoir sentir, c'est que je suis pas propre en fait. Ça, c'est vraiment une attitude de pas propre. Bon, en même temps, peut-être dans le monde post-apo, ils ont peut-être pas l'eau courante comme ça trop. Allez, petit canif. Elle est grosse. Elle est bon. Ça craint. Arrête, j'allais justement me lever. Allez, je commence par la douche, moi, et après je prends le café. Ce qu'il faut. Ouais. Ok, allez, c'est parti. Je te préviens, tout le monde parle de toi ce matin. Pourquoi? Ok, petit résumé. Ouais, c'est Dina. Attends-moi, c'est Dina. Qui a conduit Seth à te traiter d'un truc pas sympa. Ouais. Ensuite, Joël l'a frappé. Il l'a juste poussé. Et puis tu t'es énervé contre Joël. Mais tu vas trop loin, tu vas trop loin et trop vite. C'était une soirée bizarre, Jesse. Plutôt mouvementée. C'est le truc que je regrette le plus dans ces... Alors attends, fais voir. On va passer par les menus. Tutoriel, certainement. Option. Option. Bim, comme ça. Difficulté, commande. Non, sous-titre. Sous-titre, oui. Parce que sinon, ça va pas être swing. Je pense que c'est bien. Allez hop. Parce que sinon, si jamais. Parce que quand ils sont trop loin, je trouve qu'on les entend pas, c'est dommage. Allez hop. Ça doit le faire. Et coucou, Madrag, comment tu vas? T'es en forme? Bienvenue. Donc... Bah ben voilà, c'est mieux. Avec les sous-titres, non. Ce sera mieux, les amis. On est reparti pour une nouvelle aventure, ma drague. Comment tu vas? Est-ce que tu es en forme? Ellie, tout va bien. C'est promis. Merci. Hey, elle est coquette, la petite ville, là. Regardez si c'est mignon. Ah, salut, Choupi. Comment il va, Wafi? C'est Wafi, je vous présente. C'est Wafi. Ah bah zut, ma drague. Ah bah je suis désolé. Merci pour nous avoir dit que c'était l'anniversaire de Yo-Yo, drague. Drague, elle est comme Tefal, elle pense salut, à tout. Si tu veux discuter, hein, tu peux venir en dehors du live, hein, Drac, hein. T'as juste à me faire un robaz et y a pas de souci. Et coucou mon Toki, comment tu vas? Bienvenue, vous êtes au démarrage. Non. D'un nouveau stream. Derrière. Ok, faites voir un petit peu. Pas mal. Il y a quand même pas mal de monde. Pardon. Ellie, viens. Bonsoir mon Toki, bonsoir. Seth voudrait te dire quelque chose. J'ai aucune envie de discuter avec un fanatique. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Oh, il paraît que Seth c'est le petit frère de 8. Seth, viens là. Bon c'est bon, elle est pas bonne, je sors. Salut. Oh. Il est pas tout jeune, je le pensais plus jeune que ça, Seth. J'avais un peu bu. Ouais. J'essaie juste de m'excuser. Maria m'a dit que tu partais en patrouille avec Dina. J'ai préparé des sandwichs. Oh, c'est gentil. Ok. Ah, tienne, mon gars. À la viande. Merci. À la tienne, Yo-Yo, et à la tienne, Drag. Prudente. Ouais.
Mais oui, c'est ce que tu me disais, Soso, par message. C'est... Mais elle, elle t'a empêché de dormir toute la nuit. Sandwich de fanatique. Ça sent bon. Prends-les. T'es sûr? Vas-y, je vous raccompagne. D'accord, Drac, ça va alors. Je connais les migraines, ouais. Ça me... En rentrant, j'en avais une, mais carabinée. Mais moi, c'est parce que je traîne avec des produits pas très sympas en vrai. Et j'ai baigné dans le chlore aujourd'hui, donc. Ces deux-là sont partis depuis bien trop longtemps. Je les retrouve où ? Ils devraient être au poste de guerre. Merci, Drag. Merci, merci. Et fais attention. On nous signale beaucoup trop d'infectés dernièrement. Ok. Ah, bah c'est bientôt Halloween, alors il y a plein d'infectés. Il faudra que quelqu'un d'autre s'en occupe. Ellie, tu connais la route de la rivière ? Non, pas vraiment. Dina la connaît bien. Elles pourront y aller ensemble. C'est réglé alors. D'accord. J'ai été payé ce midi, j'ai été payé l'incinération de mon chat. Ça va ? Je sais pas ce qui se passe entre toi et Joël. Maria, il tient énormément à toi. Je suis sûre qu'il voulait pas te faire de mal. Tout va bien. Sûr. Mais tout le monde kiffe drague. Ok. Ok. Excuse-moi. Sois prudente. D'accord. Hé, hey Dina, c'est l'heure. Deux secondes, j'arrive. Tu peux dire à ta copine d'aller aux écuries, s'il te plaît. Ouais, Toki, ouais. Vendredi. Dina, je peux te parler? Hé, hey, les gars, je fais une pause. Oh non, ça va Pouni. Pouni, les gars, Pouni. Je voulais juste m'excuser d'être partie hier soir. Oh non, c'est pas grave. Je comprends très bien. Et je suis vraiment désolée. Pourquoi ? Parce que c'est moi qui ai commencé. J'aurais jamais dû t'embrasser devant tous ces gens et je... T'étais bourrée, c'est pas grave. Ouais, mais quand même, je veux pas que tu penses... Non, je me suis pas fait d'idée, t'inquiète. Tu sais ce que j'aime chez toi ? Tu me laisses toujours finir mes phrases. Okay. On devrait. Non, ça va pas, non? Je joue pas avec vous, moi. Quoi, t'as la trouille? Vraiment, ce gamin. Mais la misère. Ah, si hein, tu savais, mon Toki. Vous l'avez cherché? Gare à vos miches, les petits cons. Oh merde! Mettez-vous à couvert, vite! Tiens. Ah, si. On est pas encore foutus, bande de nades. Alors. Quoi, il y a une visée autour là-dessus ou pas? Non, non, je pense pas. Ah mince, je l'ai pas eu. Oula. Quoi? Ah, peut-être on peut. Il est où? Salut, Jean-José. Ah, ah. Voilà, bim. Mange ça en plus, elle lui dit, tu sais, n'importe quoi. Attends, fais-moi, on va prendre un petit peu de boule de neige là. Et coucou frère, la galère, comment tu vas? Hop là, tiens, attrape ça s'il te plaît. Elle avec grimper. Hop. Oh, attends. Non, ah, mince, je l'ai prise. Oh, tiens, attrape ça s'il te plaît. Non, c'est pas un jeu que tu peux regarder ça en fait, Lou. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Aïe, mais ça va pas la tête. Mais tu te calmes. Bim. Comment ça convient? Comme ça, c'est ça. Ouais. Voilà. Aïe. Ah, j'aime bien que tu prends recul, tu sais, de la boule des neiges. Aïe. Mais tu te calmes, l'enfant, là. Aïe. Tu t'es fait maîtriser, mec. Mais ça va pas, mon fils. Comment tu parles? 6 ans, tu t'es fait maîtriser, mec. N'importe quoi. Hop. Bim. Allez, hop. Allez, fais voir. On va prendre encore un petit peu de boule de neige. Je sais pas le temps que ça dure, mais... Tiens. Bim, aïe. C'est pas juste.
les crevettes. Alors ça fait quoi? C'est ça, c'est exactement ça, mon Toki. Vous n'allez pas vous en tirer. Ah non, moi j'y serais sauté dessus, tu sais. Moi je vois un tas comme ça, je saute dessus. Eh, il est sympa le petit tuto, tu sais. On y va. Allez hop. On peut pas. C'est scripté, tu peux pas sauter par-dessus. Jesse veut qu'on prenne la route de la rivière. Il va relever Joël et Tommy. Oh, c'est cool qu'il nous a envoyés ensemble. Tu vas aimer la balade. Je vais te chanter. Oh punaise, t'as un problème, monsieur? Ah oui, non parce que vu d'ici, tu dormais un peu là. Pardon. Je détends l'atmosphère. Vous me connaissez, sur un jeu comme ça, il faut que toujours que je détende l'atmosphère. Je sens en moi monter la... la voix du sage. Je chante avec eux. Oh, mon crying. Oups. Alors, comment fait-on? Comme ça? Ça va, ça va. Pour l'instant, tout va bien. C'est ça, pour l'instant, tout va bien. Mais vous savez, c'est ma façon à moi de... Ah, quand même. Il était temps que tu le fasses. Mais ouais, c'est ça. Il paraît. Il était temps, il était temps, il était temps, petit navire. Salut, Payette. Ah, regardez qui a décidé de nous rejoindre. Ok, on a déjà des armes, c'est déjà ça. Un vieux fusil à percu. Moi j'aurais préféré un lance-roquette, mais bon, s'il n'y a pas, tant pis. Non, je veux rester. On est bien, on est au chaud, on est en ville. Tout va bien. On y est. Vous connaissez le topo. Vous suivez l'itinéraire, vous prenez des notes et vous tuez les infectés que vous croisez. Si vous tombez sur plus gros que vous, j'ai passé. Vous revenez. Alors ça a pas l'air de bugger de mon côté, Lio, mais. Mais peut-être. J'ai pas fait attention, mais j'ai pas l'impression. J'ai déchargé le plus possible le CPU. Enfin, le routeur 4G pour. Chez toi, ça va, ouais, il me semble. Hein, ça avait pas. J'ai pas l'impression, en tout cas, qu'il y ait un problème. Mais bon, des fois, ça peut. Allez, hop. Toki. Comment je joue après sinon? C'est terrible. Petit ASMR, j'essaie de faire doucement sinon on va les réveiller. Après Hellblade, ouais, c'est mieux ça. Je t'invite à regarder Hellblade. Toki. En rediffusion sur YouTube, tu verras, c'est plutôt sympa. Le prochain opus va sortir cette semaine, le dernier, d'ailleurs, du reste. Mais c'était quelque chose, ouais. Ah ben avec les dents, non? No more crying, no more crying. Salut. Salut. C'est Josiane et Jean Maurice. J'ai dit quelque chose. Non, madame. Tu faisais grincer tes dents. Oh, d'accord. Prends ton matos. Faut que tu vois ça. Quoi? Je vais te montrer. Ok. La vache, ça caille. Et si
sûr que tu veux pas faire ça quand il fera jour, avec quelques degrés de plus? Non, ça peut pas attendre. Tu veux pas me dire ce que c'est, au moins? Tu dois voir ça par toi. Ok. Qu'est-ce que tu fabriques à traîner comme ça, tout seul? J'arrive pas à dormir. Toi non plus? Et on va vers le sud. Plus c'est joli. Allez. Et si on continuait? On pourrait filer jusqu'au... Ah, c'est pas... Je l'ai déjà pensé, figure-toi. On pourrait aller voir la ville de Manu. N'importe quoi. Je me dis que c'est pas aussi joli qu'il peut dire. Ouais, t'as sûrement raison. Ah, je sais pas où est-ce qu'elle est passée, notre drague nationale, chouchou. Allez, viens. Ok. Si on continue comme ça, on sera crevé avant même d'entamer la journée. C'est clair. Arrête, c'est pas si loin. Je trouve moins pratique de courir avec en appuyant pas, sur pas l'air en forme, sur la gâchette du haut. Ouais, elle va bien. Je te trouve bizarre, c'est limite flippant. Je suis pas bizarre. Ok. Ouais. C'est tout sauf naturel, ils auraient pu travailler les sauts en fait. C'est vrai. T'inquiète, j'ai eu ma dose. Wow. Et ouais, on n'est pas tous aussi gracieux que toi. Quoi ça? Ça va pas le faire. Punaise, ça envoie du pâté. C'est trop gros. Vas-y. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Tu veux quoi? Wow. D'accord. Quoi? Alors, pas par là, elle veut pas y aller. Non, sérieux? Ah non, c'était là, je croyais qu'il fallait sauter en face. Elle m'a fait peur. Regarde-moi. Abby. Mais alors, je sais pas, il m'en a pas reparlé. Et j'ai pas compris, parce que hier, il parlait de lundi ou mardi. Alors, si ça a changé de jour, ça va être compliqué, par contre. Owen, faudra repasser par là. Comment ça va mieux, Lio, ton épaule? C'est l'occasion de vaincre. Tu sais où tu peux te les carrer, mes peurs. Abby, arrête de me draguer. D'accord. Bon. Ouais, c'est un peu... Tu vois, j'aimerais que ce soit un peu plus fluide, en fait. Ah oui. C'est carrément une ville. Ouais. Ouais, elle est gigantesque. T'en as parlé à quelqu'un? Je voulais que tu sois la première. Eh ouais. J'ai vu des gardes armés patrouiller entre la ville et l'avant-poste, par là-bas. Il y a d'autres postes de garde sur le chemin. Ils ont de l'électricité, des flingues. Elle est cervicale aussi. Ça fait beaucoup de monde. On va se débrouiller. Ok. En admettant qu'il soit là, on fait comment pour l'atteindre? On n'a qu'à attraper un des gardes pour lui soutirer des informations. Ensuite, il faudra trouver un moyen de lui tendre un piège. Ils veulent choper qui? Je suis sûr que ton garde sera ravi de nous filer des renseignements. Il aura pas le choix. Non mais tu t'entends. T'as une meilleure idée? On va demander. Qu'est-ce qui t'arrive, Owen? Mais elle est enceinte. Oh. Ok. Mais c'est pas seulement ça. Je suis censée te féliciter. Quand les autres verront ça, ils vont vouloir faire demi-tour. On pourrait les convaincre, pas vrai? J'étais sûre que je pouvais pas compter sur toi. Abby, je veux la même chose que toi. Ah, c'est gentil, Montoki. Ça fait plaisir de te voir, Montoki.
Je sais pas qui est-ce qu'elle veut choper comme ça. On le découvrira bien assez tôt, mais je pense que c'est Joël, mais j'en suis pas sûr à 100%. Ça, pas sûr à 100%. Pardon. Ah, tant mieux, mon Toki. Ah, tant mieux, je suis content. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on va passer par là. Et par ici. Flingue, je crois qu'elle en a un. Peut-être là. Yes. Alors, on va voir si on a perdu les automatismes ou pas. Est-ce que c'est par là ou est-ce que c'est par là-haut? Parce que ça, ça me paraît bien aussi. Je sais pas. Ouais, ça a l'air d'être un cul-de-sac, ça. Hein. Je dis pas de bêtises, mais... Ah, quoique, on pourrait repasser par là. Mais je pense que, vraisemblablement, ça avait l'air d'être par ici. En fait. Ouais, mais clairement, ça doit être bien. Ça doit te changer la vie. D'avoir les mains qui vont mieux. Alors, le poste de guet, il est pas si loin. Ouais, il est par là-bas. On va essayer d'y aller. On va passer là en dessous, je suppose. Hop, voilà. D'accord. Hop, on peut se relever. Et se relever. Donc avec deux appuis, finalement, ça peut le faire. Oula. Ouais, ça va. On passe par là. Punaise, une bonne paire de skis, les amis. Et hop. Touchous. Oula. Ouais, il va falloir se réhabituer à la... Waouh. Tu crois qu'il résiste au froid? Peut-être. Ah oui, j'ai vu les balles. Je vois les balles sur le côté. On en a 5. Ouais, j'ai le flocon. J'ai le flocon d'avoine, en fait. J'ai juste le flocon d'avoine. Ouais, j'ai pas grand-chose. J'avais... Voilà. Ça pue. Mais ça pue, les amis. Allez, c'est reparti. Me dis pas qu'on peut pas passer par là. Allez, hop, si, bien sûr que si. J'ai juste... j'ai la première étoile, en fait. Oula. Ah, punaise. Carrément, comme tu vas. J'aime pas bien. On va faire comme ça plutôt. On va se faire sauter dessus comme je... Tu vois, je te l'ai dit. Allez, première mort. Aïe. Aïe. J'ai déjà eu peur, t'es. D'accord. Allez, petit tuto qui... Oh, punaise, elle est costaud. Petit tuto qui va bien. Ça m'aimait. Oula. Alors, par où passe-t-on? Oh. Tiens, attrape ça, s'il te plaît. Punaise. Alors on va déjà commencer par se faire bouffer, tu sais, de bonsoir. Oh purée. Tiens. Mais hey, t'es sérieux? Mais on est bloqué contre un arbre, j'y arrive pas, au secours. Pouh.
Mais t'es sérieux là? Vinaise. Oh merde, mon épaule. Et son nom est John Sinatra. Alors, équiper kit médical, maintenir pour soigner. Allez. Amis du soir, bonsoir. Du coup, on passe par où là? Je me souviens plus. Par là, peut-être. Faut que je trouve un point de vue. Bah, par ici. Je pense qu'on doit pouvoir rentrer par là. Hop. Ça commence bien. Ok. Ça commence super bien. Alors, sérieux? Alors, on va être clair, hein, tous ensemble, ça m'avait pas manqué. Mais ça m'avait pas manqué du tout, les amis, de me faire sauter dessus par ces trucs-là. Là. Ok, on n'a pas grand-chose là. Est-ce qu'on peut s'accroupir pour écouter? Non, pas du tout, pas encore en tout cas. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Non. Ok, allez, démune, recharger, c'est mieux. On va fouiner un petit peu. Alors, mettez-vous à terre. D'accord. Mais c'est pour l'instant, c'est pas ça. On va regarder si on n'a rien d'autre. J'aime bien fouiner dans ce genre de jeu, par contre, les amis, si vous vous souvenez. Donc, on va prendre un petit peu le temps de regarder c'est ce qu'on a autour de nous. Et là, ça a l'air d'aller. Allez. Que du bonheur, on va romper là-dessous. J'adore ça. C'est clair, c'est une très très mauvaise idée, Abby. Je te comprends. Et salut Midnight, comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bienvenue, bienvenue chouchou. Désolé de pas toujours être là. Mais c'est pas un problème, Midnight. Mais bien sûr, mais je comprends. Mais il n'y a pas de souci. Voilà, tu te calmes, Jean-Maurice. C'est bon, c'est bon. Ok. Eh ben écoute, installe-toi confortablement, mon Midnight, et puis il n'y a pas de souci, c'est comme tu veux, quand tu veux, et comme tu peux surtout. Allez, on va se relever. Est-ce qu'on peut rentrer par là? On va regarder ce qu'on a, si on a quelque chose. Hein. Alors que la neige tombe. Il y a un kit de soins ou... Ah oui, regarde, il est là. D'accord. Petit kit de soins ici, on a bien fait de rentrer. Regardez là, mais... Alors le problème, c'est que là, on n'arrive pas à savoir s'ils sont là ou pas, en fait. Alors ici, est-ce qu'on peut y aller? Pas du tout, tu te calmes, Loïc. Et là, on va se mettre comme ça. Il y a de la mune. C'est bon, il n'y a personne. J'ai pas l'impression, en tout cas. Ça a l'air d'aller. Hop, on va prendre une munition. On va repasser par là. Hop. Voilà. Et je pense qu'on va aller tout droit. Alors, on va faire attention. Voilà, bien joué. Bien joué, bien joué. Okay. Il peut pas être loin. Est-ce qu'on peut passer par là? Peut-être. Attends, deux secondes. D'accord, c'est bien par ici qu'il faut passer. Allez, hop. Alors, peut-être s'accroupir d'abord. Fais voir. Et essayer de passer. Ouais, exactement. Oula. Ah voilà, un petit R1 pour écouter, les amis. Donc on a Josiane ici. Alors restez en position accroupie pour vous approcher directement de vos ennemis et appuyez sur triangle pour les saisir. Allez. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, il doit y en avoir qu'un. Hop là.
Voilà, fais dodo. Fais dodo, voilà, c'est bien. Bravo. Ok. Alors, beaucoup de pièces. Beaucoup de pièces. On va regarder s'il y a quelqu'un ici. Et de l'autre côté aussi, comme Félicie, on va regarder. J'ai pas l'impression. Allez, fais-moi. On va quand même y aller tranquille. Hein. On va éviter de se faire soulever. Comme jamais, y a-t-il quelqu'un dans la baignoire ou quelque chose? Pas du tout. Les toilettes sont un peu douteuses. On va pas y aller. Allez, fais voir. On va regarder ce qu'on a là. Ok. Y a-t-il quelqu'un ou quelque chose? Pas du tout. Et de l'autre côté, j'ai pas l'impression non plus. Ah si, regardez. Hop. Des mules. C'est bon. Allez, on va passer normalement ici. Rien. On n'a rien non plus, à part des vieux disques de Michel Sardou, bien sûr. N'importe quoi. C'est pour mon frère, ça. Alors, elle est par terre, on est bien. Alors, il y a quelqu'un en bas. Par contre, voilà, on va éteindre la lumière, c'est peut-être un peu mieux. Elle est où ? C'est pas incroyable. Alors, ils sont combien ? Alors, lui, il est pas bien, hein, il danse la gigue. Et il y en a un autre là-bas, c'est ça ? Voilà. Ouh. Ah non. Ah, je l'ai pas. Aïe. Je l'ai pas vu. Non, mais allez, t'es sérieux. Allez. Ah. Non. Ah, punaise. C'est parti. C'est pas là-bas que j'irai en vacances, mais moi non plus. Ah, punaise. Quand vous visez pour changer la... Ah, d'accord. Ok, allez, on est reparti. Ma faute, parce que au lieu de passer par derrière exprès et gentiment, non, j'ai pas fait ça. J'y suis allé avec, avec toute la rage et la fougue qui me caractérise. Et du coup, c'est pas bon. Du coup, c'est pas bon, pas bon. Et l'autre, je l'avais pas vu, je savais pas du tout où est-ce qu'il était, donc... Il est passé où, l'autre? Allez, tout doucement. Fais dodo. Je suis une feuille... Je ne suis pas là, je suis une feuille, les amis. Alors, du coup, il est où? Il est où Jean-Maurice? Jean-Maurice est là-bas. Et il faut faire attention qu'il ne nous voie pas. Voilà. Alors, regarde. Je pense qu'on va passer comme ceci. On va se mettre là, regarde. Juste là, on va attendre qu'il revienne. Je ne m'y attends plus. Ça fait mal de vivre sans toi. Allez, on va attendre qu'il se retourne. Et normalement, on va y aller. Il est où? Il est dans quel sens? Hop, hop, hop. Voilà, fais dodo, cola mon petit frère, fais dodo. Voilà. J'aime bien le cric. Oups. Allez, hop. Ça peut servir, on va prendre ça. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Il n'y a pas autre chose, je regarde. Hein. On fait ça, on va essayer de pas mourir une énième fois. Ah, on n'a pas regardé dans le garage s'il y avait quelque chose à récupérer, mais je pense pas, fais voir. Non, ça va. Rien sur l'étagère, à part un vieux ventilateur, donc on peut y aller, les amis.
On est au tout début, au tout début, au tout début. Est-ce que c'est par ici? Pas du tout. Et donc... Est-ce que c'est par là? Non, pas par ici. Y a-t-il... est-ce que j'ai loupé quelque chose? Peut-être par ici, non? Est-ce qu'on peut... Oui, on peut. Ok, pas de problème. Okay. Allez. On est parti. Oula. Alors, combien vous êtes, les filles? Dites-nous. Attends. Michael Jackson, là. On n'est pas là, nous. On est un ours blanc. Nous ne sommes qu'un ours blanc. Alors, approchez-vous discrètement d'un ennemi et appuyez sur le triangle pour le pécho. Like... Attends, un peu trop tôt. Like a river in the wind, bien sûr. Allez, hop. Il bouge un peu trop, celui-ci, à mon goût, mais c'est pas grave. Michael. Ouhou. Ah non, c'est Alice, ça. Non. Allez, hop. Voilà. Fais dodo. Voilà. Brisage de cervical. C'est ce qu'a connu Lionel aujourd'hui. Hop. Tu reviens en arrière, Jean-Maurice. Tu reviens en arrière. Et là. Ok. Alors, y a-t-il quelque chose ou quelqu'un? Oula, ils sont deux là. Ils sont deux. On va regarder. Ouais, c'est bon. Voilà, pour toi. Est-ce qu'il va nous voir? Non, elle nous a pas vu. Clac. Clac, clac. Merci. Clac, clac, Kodak. Voilà. Voilà. Elle est toute seule. Elle est pas toute seule dans sa tête, hein, on le voit de suite. Hein. Ah, mais il y a du monde là en plus. Alors attends, ça circule. Il faut regarder un petit peu la routine qu'ils ont. Et puis après, on avisera les loulous. Je suis pas encore à 100%, à 100% bien avec le... Avec ça là. Donc attends, on va passer comme ça, je pense. Soit on les laisse, soit on les shoot. Soit on les laisse et on les shoot. Comme vous voulez. Donc là, à mon avis, il faut passer en dessous du camion. Juste là, en dessous de la remorque plutôt. On va attendre que. Que ça arrive. Alors celle-ci plutôt. Si elle y arrive. Tu nous as pas vu. On est... Non, mais t'es sérieuse là, à faire demi-tour là, comme ça? Nous sommes qu'une feuille. Punaise. Viens, Josiane. Je suis une feuille, Josiane. Voilà. Attends, je la lirai après, Yo-Yo. C'est un peu la Moïse là. La Moïse à Denise. Non, je suis un flocon de neige. Mais c'est vrai. Allez, on est plus une feuille, on est un flocon de la neige avec ce jeu. Ok, je retiens. Parfait, ma soso. Alors, fais voir. Parce que là, les gens Maurice, ils chassent les souris. Alors, on peut très bien passer comme ça, là. Et sinon... Allez, c'est bon. On y va. On peut passer là, je pense. Allez. Bim. Voilà. Et non. Un mouton de type moltonné. Allez, fais voir. Je pencherai par ce passage-là, non? Possible. Allez, fais voir. Oula, il y a autre chose là, non? Ou j'ai rêvé? Non, j'ai rêvé. Ma faute. C'est bon, allez, la voie a l'air libre, les amis. En tout cas. Allez, on se faufile. Sur qui on va tomber encore? Des traces de chevaux. Ok. Où est la patrouille? Bon, 10 minutes de jeu, on est déjà mort 3 fois, mais... Non, une seule fois. Et vous allez compter les morts, comme ça on est bien.
dites-moi hein, si le son est pas trop fort quand on actionne les armes, quand il y a du combat. Faudra me le dire les amis, parce que comme ça je réglerai pour tous les lives en fait le même son. Allez bien. Par ici. Je te suis. Allez hop. Est-ce qu'il te manque ? Jessie ? Non. Je t'y ensemble depuis longtemps. Écoute, Jessie est géniale. J'adore ses parents. Ils seront toujours ma famille. Mais on était en pilote automatique. Ils sont beaux les paysages. Comment ça se fait qu'on n'ait jamais parlé avant ? Je sais pas. J'avais pas... Toi, tu m'as jamais vraiment parlé de Kat. Ouais. Parce que il n'y a pas grand chose à dire. À 20 morts, je paye le café. Pas de problème, Toki. J'avais l'impression que tu l'aimais pas vraiment. Pour tout dire, je m'en fiche totalement. Oh là, mon yo-yo. Ok. Attends, bouge pas, yo. Mais elle est douée comme artiste. En fait, je commence à aimer ton tatouage. Comme c'est gentil. Mais je pense qu'elle était pas faite pour toi. D'accord. Intéressant. Ah, et toi? Ok. Attacher Payette ici. Allez, on va attacher Payette là, là. Hey. Tu veux voir un truc hallucinant ? Tu vas te montrer du doigt, c'est ça ? Non, hallucinant, c'est pas le mot. D'accord. Allez, la débile. Mon yo-yo, elle est trop bonne. Sérieux, elle est trop bonne. Allez, fais voir. C'est par là. Mais on arrive, hein. T'inquiète. Non, ils ont de toute façon rien laissé là. Voilà. Wow. Ah, c'est beau quand même. Attendez, hein, on contemple un peu parce que finalement on a tellement de moments comme ça. Qu'est-ce que tu dis de cette vue, hein? C'est plutôt sympa. Ouais, elle est cool cette route. Où il est le registre? Mais j'ai pas eu le temps en fait, yo-yo. Mon yo-yo, c'est bon, je l'ai vu. Je pensais pas mettre aussi cher. Elle est terrible, elle est très très bien. Elle est superbe, magnifique. J'adore, c'est exactement ça en vrai. Tu faisais cette patrouille avec qui avant ? Jessie ? Eugène. Oh, ouais, Eugène. Il était trop drôle. Oh ouais. En plus, il m'a appris à recâbler des circuits et d'autres trucs dans le genre. Est-ce qu'il faut t'aider ? Non, pas du tout. Elle le fait très bien toute seule. J'espère qu'on arrivera à 73 ans. Aïe. Ah, il faut la laisser passer devant, sinon on n'y arrive pas. C'est prêt. Galanterie oblige. Ok. Elle m'a pris pour Spider-Man, la nana. Tout va bien. Allez. Oïs, la saucisse. Allez, on y va, les gars. Oïs, la saucisse. Signe le registre. C'était quoi cet endroit ? C'était une tour radio. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on a quelque chose d'abord ? De visu, pas trop. Fais voir, on va voir là. Regardez un peu, il y a un bon canapé. Café, pas du tout. Donc, il n'y a pas de café grand-mère, hein, les amis. On est mort. Aucun signe d'infection.
infectés ou de personne d'autre d'ailleurs. Ok. Je vois une tempête à quelques kilomètres. Ok. Et voilà. Ok, reste sa forte tempête, la rivière déborde, on reste ici pour la nuit, puis demi-tour demain, Ok. Alors, Jess et Tina, trouvez des empreintes, on les a suivies jusqu'à un petit campement, deux adultes, un enfant ont besoin de soins, on les amène direct en ville. Tony et Joël, RAS, Tony et Joël, deux claqueurs près de la station service, éliminés, sinon RAS, Greg et Bonnie, Bonnie et Clyde, Chad and Will, Will and Dina, Ellie et Dina. Bon, c'est bon. Et comme il Dina, ils ont plus faim. Viens voir. Allez, on arrive. La dernière étape, c'est cette ville. Regarde. Je vois un centre commercial. Celui avec le supermarché ? Non, la ville est plus loin. Voilà la ville. Avec l'espèce de grande tour. Ouais, c'est là qu'est le prochain poste de guet. Ok. Donc il faut aller à la tour de guet, c'est ça ? Peut-être. À mon avis, on n'est pas arrivé. Vraiment, on n'est pas arrivé jusqu'à là-bas. Moi, je vous le dis, les amis. Alors, elle est où, Josiane ? Josiane ? Josiane ? Oh, qu'est-ce qu'on a ? Ok, on prend les balles, hein. Nous, on est comme ça. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ok. Elles sont propres. Je ne sais pas. C'est une patrouille. On est là pour buter des infectés, pas pour un défilé. C'est quand même canon. Elle est sérieuse ? Trop bien. Ça se drague et tout. Oula, non, vu d'ici par contre. Hop. Est-ce qu'il faut repasser par là ? Peut-être. On n'a pas été voir là, si. Je sais pas. Ah si si, on en vient. Elle est où Josiane? Je l'ai pas vue. Ah voilà, elle est là. Josiane? Oui, c'est moi. Allez. Allez. Nous on prend pâquerette. Allez hop. Mais oui, mais bien sûr. On devrait mourir comme Eugène. Quoi, d'un AVC ? Non, de vieillesse. Après avoir. Eugène Sakomano ? Pourquoi ? Il est décédé ? Jamais de la vie. T'es trop imprudente. Oh, tu peux parler. Oula. Mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai permis à force de marcher avec des baskets en toile dans la neige. Hé, hey, je porte des bottes là. Tu sais comment tu vas mourir ? Bon, laisse-moi deviner. Tu vas me tuer ? Non ! Peut-être. Ta gueule. N'importe quoi. Hé, hey, tu crois qu'on devrait fouiller ces maisons ? Ça a l'air mort, mais on peut si tu veux. Je parie qu'il y a des trucs à trouver. Bordel. Il fait encore plus froid. Est-ce qu'on peut passer par là ? Non, c'est trop haut, non ? Ouais, on peut pas. On peut descendre pour fouiller les maisons, mais les maisons, il y en a pas. C'est ça ? C'est ça. Allez, on peut pas passer par là, nickel. Allez, fais voir. On va regrimper. Tu vois, on va essayer de. C'est. Est-ce qu'on peut passer comme ça, tu crois ? Fais voir. Allez, on va regarder.
Est-ce qu'on peut rentrer quelque part par là, les amis? Oui, comme ça. Alors, du maquillage, c'est bon. Ah, oh, punaise, elle serait bien la dalle, là. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Tiens, des pilules. Ça, c'est bon pour notre schizophrénie, les amis. Alors, stimulateur vous permet d'apprendre de nouvelles compétences. Appuyez sur le truc au milieu pour apprendre. Parfait. On va aller voir tout à l'heure, les amis. Il n'y a pas de souci. Je vais lui envoyer un message pour savoir quand il sera là exactement. D'accord, Léo. Ok. Des balles de fusil. Et des cartes bleues. D'accord, c'est du collectif. Oh, je l'ai pas, celle-là. C'est pas une des cartes de super-héros que tu collectionnes ? Ah, ouais. Oh, super. On peut zoomer et tout. Cool. Super vilain, lui, il est entre les deux. Allez, hop. On va ranger ça tranquillement, les amis. On va aller dans la maison en face, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on peut passer par là, déjà ? Pas du tout. Pas mal de trucs, des mobilhommes, des maisons abandonnées. Pas sûr qu'on puisse passer là, là. On va essayer peut-être la maison en face. Tiens, regarde. On est passé, ouais, on est passé super vite en fait. Alors, est-ce qu'on a quelque chose là? Pas du tout. On va essayer de grimper là. Est-ce qu'on peut? Non, on peut pas. Donc là, c'est pas bon, il n'y a rien. Où est-ce qu'on pourrait aller voir? Dans le mobilhome, vous croyez qu'on peut rentrer? On va essayer en tout cas. On va voir. Alors, le mobilhome, je sais pas pourquoi ça pue, mais on va y aller quand même. Ok, il y a des médocs là, on va les prendre. Hop. Alors, il n'y a pas grand chose. On va regarder là. Allez, des boulons. Ok, on va recommencer. On va recommencer à prendre nos bonnes habitudes, les amis. Tout trouver, tout fouiner. Ok, du boulon par-ci, du boulon par-là. En veux-tu, en voilà. Ok, là, c'est bon. Alors, ça c'est fait, ça c'est fait. Celle-ci, on l'a pas faite. Et la maison qu'il y a là, je crois pas non plus. Mais est-ce qu'on peut seulement y aller? Pas sûr. Est-ce qu'on peut grimper comme ça? Sur le toit, y a-t-il quelque chose? Non, on peut pas. Allez hop. Donc, celle-ci c'est fait, celle-ci c'est fait. C'est juste un autre quartier qui a été évacué. Les infectés arrivent quasiment jamais jusqu'ici. D'habitude, ouais, on l'échappe sur le périmètre extérieur. Allez, on va grimper à cheval. Et on y retourne. Du coup. Ta-da-da-da. Oula. Est-ce qu'on peut passer comme ça? Yes. Oula. Il y avait du monde. Ah punaise, le cerf. Oh la tête. Ah, il est pas bien. Hein. Il est pas bien, le cerf, les gars. Oh, ça pue. C'est des infectés qui ont fait ça. Tu crois qu'il en faut combien pour buter un élan? Pas qu'un seul. Ils sont où, putain? Allons les trouver. C'est un élan, exactement. Alors, équipé d'une lame longue. Appuyez sur R1 pour recharger rapidement, ok. D'accord, avec R1, tu changes de d'arme et avec ça, tu recharges normalement. Elle est passée où, copine, là? Je la vois pas. Copine? Ah, voilà. Quoi, il faut aller par là-bas, t'es certaine, là? Ah, ben, on va suivre les traces de sang, c'est ça?
Oh, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, les loups. Ouais, il y en a plein là-dedans. Comment ils ont fait pour entrer? Et surtout, comment on fait pour entrer? Mais t'es sérieux? Tu veux rentrer là-dedans? T'es sérieux, chouchounette à la crème? Je vois plein de traces différentes. T'en penses quoi? Dis-la. Alors, ok, ça faisait un moment qu'on n'était pas venu ici. On regarde un petit peu ce qu'on a. Bon, on n'a pas assez de pilules, bien évidemment. On a le journal ici. C'est moins sympa qu'avant, je trouve. C'est moins sympa qu'avant le... Ouais. Enfin, c'est pas révolutionnaire. Mais c'est pas ce qu'on lui demande. Ce qu'on lui demande, c'est d'être gentil avec nous. Et pourquoi nous on peut pas voir s'il y a des... Ah elle fait comme ça elle. Ok, pas de problème. À son pépère. Alors par contre ils nous ont pas dit... Il est mort. Ah ouais, tu m'étonnes. Ils nous ont pas dit si on pouvait faire comme tout à l'heure en fait. Bonne idée. C'est-à-dire écouter les aux portes ou pas. Non, tu vois, ça me fait juste changer d'arme moi et j'aime pas ça. Non. Non plus. Et là, je ne sais pas. Fais voir, on va aller regarder là-dedans, si on peut. Alors ça, c'est une connerie parce que on peut pas passer, je pense pas, mais... Si? D'accord. Allez, on essaie quand même. Ah bah c'était sûr. Eh bah oui. Attaque éclair, oh, j'adore. C'est trop bon. Alors, acquérir... ouais. Les attaques éclairs infligent des dégâts considérables aux ennemis étourdis. Ok, cool. Merci. On aime bien. La porte par où on est entré était bloquée. Alors, y a-t-il quelque chose à récupérer? Pour rentrer le coureur. Ouais, c'est une bonne question. On n'aime pas trop les coureurs, nous, en vrai. C'est pas ce qui nous, ce qu'on aime le plus. Allez, fais voir. On commence. Ça doit être celle que j'ai faite avec Joël. Ouais, il faut faire une. Ouais, j'avais bien compris qu'il fallait une bouteille pour ça. Une douzaine. Donc ce qui serait bien c'est qu'on en chope au moins une, tu vois. Il y avait un groupe de passage. Putain. Puis il y a des boulons. Peut-être qu'on va battre ton record aujourd'hui. Fais voir un petit peu par là. Non, on a rien. Est-ce qu'elle a trouvé quelque chose, copine? Je ne pense pas. T'as trouvé quelque chose, copine? Pas du tout. Allez hop, on y va. Je pense qu'on peut repartir. Il n'y a rien sur les étagères. Enfin, je crois pas en tout cas. Elle était pas par là, la sortie? Si. Ah, on peut plus passer là? T'es sérieux? The? Alors du coup, on passe par où? Sérieux? T'es où? Elle est passée où? Chouchounette à la crème? Non, c'est alors. Corps du sang. Ah, d'accord, par là. Eh, mais écoute, hein. On y va, hein. Ok, allez, hop. Voilà pour toi. Et ici, je suis un flocon. Je suis un flocon. Tu te calmes. Ok, elle s'en est occupée. Yes, papa. Allez, on va regarder, mais je crois qu'il faut passer de l'autre côté, hein. On est tous d'accord là-dessus, les amis, il faut regrimper là-dedans. Une bouteille en plastique, ça fonctionne pas, je pense pas, en tout cas, Toki. J'aimerais bien, mais je suis pas certain. Tiens, regarde, bouteille, non? Ou j'ai rêvé? Ouais, bouteille.
Allez, viens ici. Voilà. Parfait. Sympa. Il y en a partout par contre. Mais j'arrive pas à les voir. Lui dans la gigue là, là. Alors tu vois, le problème c'est qu'on a... Il y en a un là-bas je crois. On doit en avoir un autre par ici, mais... Mais du coup j'arrive pas à voir. Oula, il y en a une, deux. Deux dessus. On va attendre qu'il revienne vers nous, je pense. Si jamais il revient. Oui. Il y en a un autre là. Vraiment dodo là. C'est ça. Fais dodo. Fais dodo. Allez, viens là. Elle est juste pas bien, hein, mais c'est pas grave. Allez, viens. Allez, je suis en flocon. Allez, fais dodo. Allez, allez, allez. C'est pas grave, c'est pas grave. Elle est allée... Ah, elle est allée se le taper. Dis, ça c'est pas beau la vie. Ben, redresse-toi, Ellie. Pas d'autre. Non. Je crois que c'est bon. Ok, bouteille, c'est bon. La bouteille, c'est bon. On va faire le tour. Il doit bien y avoir un moyen d'entrer. Par où elle veut sortir? Je veux bien faire le tour, mais du coup, par où tu veux sortir? Punaise, il y a des têtes d'élan partout. Ah ben par là. Normal. Attends, on a rien là-dedans? Pas du tout. Hop! Alors normalement tu peux les détecter avec la touche, mais je sais plus laquelle. Eh bien justement, et en fait ça nous fait changer à peut-être que... Ah voilà, voilà. C'est ma faute. Ma faute, ma très grande faute. Ellie, aide-moi à monter. Je vais jeter un coup d'œil. Voilà, c'est ça. Il faut rester appuyé. Je m'en souviens des plus qu'il fallait rester appuyé. Ok, vas-y. Il y a un trou dans le toit, là-bas. D'accord. Dans le toit, toi, mon toit. Fouille. La foi. La foire fouille. Merci. Là, tu vois. Bon, je vais trouver comment y aller. Alors, il est où ce toit? Il est où ce trou? Il est juste là. Là, on a un Carrefour Market, juste là. Alors, par où on peut passer là? Donc là, on en vient. Bon, on va forcément passer de ce côté-là. Je pense qu'on va glisser là-bas en dessous. Je pense que c'est ça le but, ma pauvre Lucette. Alors, on fait attention. Mais c'est clair. C'est clair, c'est clair, mon Toki. Voilà. Allez, tu dégages. Ah, super! Avant que je puisse le faire, elle est trop forte. Est-ce que ça va? Ouais. J'adore. Juste un peu secoué. Un petit peu. T'as intérêt à mourir de vieillesse et pas en te faisant infecter. C'est mieux, ouais. Je veux pas être obligé de te tirer une balle dans la tête. En vrai, on peut pas être infecté, mais c'est pas grave. Ok. Super. Pardon. J'ai un peu froid. Toki, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas entendu cette expression. Punaise. Y a quelque chose? Y a rien. Enfin, je crois pas. Même si c'est pas très très loin. Ok. Ta-da-da. On va passer comme ça. Hop, on va rester appuyé, mais je pense que c'est bon. Allez, hop. Il y a des médocs ici. On va tout prendre. Quitte à tout prendre pour les mégots, c'est la télé. Ma brosse à dents, le revolver, la voiture, ça c'est déjà fait. Avec mes interdits bancaires,
Son père envoie le petit Nicolas au lit car il a été insupportable. Mais au bout de 5 minutes, il entend une petite voix. Papa, apporte-moi un verre d'eau. Non, tu n'avais qu'à boire avant. 5 minutes plus tard. Papa, apporte-moi un verre d'eau. Si tu ne t'arrêtes pas, je monte te donner une fessée. Papa, quand tu monteras, me donne une fessée. Tu peux pas m'apporter un verre d'eau, c'est ça? Très drôle, j'adore. Allez hop. Alors madame, je suis sincèrement désolé pour ce que j'ai fait. Je voulais pas vous faire de mal, je voulais rien d'autre que les médicaments. Votre mari m'a attaqué, j'ai pas eu le choix. Ma petite sœur sent plus ses jambes, j'ai besoin d'insuline, personne ne veut m'en donner. Je n'avais pas le choix, j'espère qu'il survivra. Je vous demande pardon. Ah ouais, ça... Ok, bah écoute, on va... Ouais, tu crois? Allez. Est-ce qu'on peut passer? Est-ce qu'on peut sauter? Est-ce qu'on peut faire un truc dans ce bout-là? Pas du tout. Mais par où? Par où, par où? Padoum, 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 padoum. Allez. Il a la télé, c'est ça. Ok, ben ce sont... A tout de suite. Mais du coup... Tu vois un moyen d'atteindre le toit? Pas sûr. Attends deux secondes. Parce que du coup, on n'a pas grimpé par ici. Hop. Est-ce qu'on a quelque chose? Ouais, regarde, il y a des boulons ici. Là-haut. On a quelque chose, non? Pas du tout. Et là aussi, c'est des trucs, mais c'est des trucs qui servent à rien. Est-ce qu'elle a trouvé un moyen de grimper la bougresse ou pas du tout? Alors, il faudrait grimper sur le camion. Est-ce qu'on peut grimper comme ça ou pas? Non. Alors non, s'il te plaît, redescends. Yes, on doit pouvoir grimper comme ça, peut-être. Voilà, est-ce qu'on peut grimper là? Oui. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Bien sûr que oui. Et voilà. Ok, allez. Ouais, à mon avis, il n'y a rien de l'autre côté, on peut y aller. Pour l'instant, en tout cas. J'y suis. Oh, oh super, l'écran plasma. Il n'y a plus d'émission, c'est tout. Allez, on a de quoi se faire. On va pouvoir récupérer pour se faire des bandages. Et moi du tissu. Magnifique. Tiens, arrange-toi un peu. Merci. Ok, allez, on va confectionner. Ah punaise, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, les gars. Eh ben, je vais vous dire. Je vais vous dire et je vais être très précis avec vous. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas fait ça que ça m'avait pas manqué du tout. Ah punaise. Allez, maintenir R2 pour se soigner. Mais on est bien pour... En vrai, on est bien pour l'instant. Elle veut vraiment? Tu veux vraiment qu'on se soigne? D'accord. Bon. Équiper kit médical. Mais c'est dommage, hein. C'est dommage de se soigner maintenant. Mais bon, on va le faire. Il nous le demande. Voilà. Ok. Il y a des spores. Allez, petit masque. Ok. Il va y avoir des spores. Et moi, je reste tranquille. Ah, punaise, on n'aime pas ça. Hein. Je veux pas te tirer une balle dans la tête. Non, non, mais ça va. C'est mignon. C'est moignon. Alors, qui dit sport? Tous ces sports, ça veut dire qu'ils sont là depuis un moment. Yes, papa. Fais gaffe, les infectés sont plus dangereux. Ouais. Tu sais, j'ai du mal à respirer, il y a des sports de partout. Je sais pas. Je crois qu'on est au-dessus. Allez, fais voir. On va prendre ça, on va prendre ça, ils sont en train de nous charger, tu sais. Est-ce que pas du tout, on va prendre ceci,
Toile des neiges, pays merveilleux. Alors, par où passe-t-on maintenant? Parce que je veux bien, on est dans cette salle. Mais je vois pas. Je vois pas où est-ce qu'on, par où on sort en fait. Même pas par là en tout cas. Ce qu'on pourrait essayer de faire. Eh ouais, c'est. Non, on peut pas. Ah, comme elle se pousse. Fais voir. Il y a des marches d'escalier par là. Donc on va essayer de passer par ici, les gars. Ouais, c'est pas terrible. Alors, employé du mois, Green Palace Market. C'est Green Place, hein, mais c'est pas grave. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Tu te calmes, Loïc, c'est ça que je voulais faire. Ok, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Est-ce que... Alors, un coffre-fort, mais bien sûr, on n'a pas la note. Ouais, c'est ça. On va sortir de là, puisqu'on n'a pas. Mais est-ce qu'il y a la note juste à côté? Ce serait vachement bien, tu sais. Et ça va, mon Lio? Ça va. À plus tard. À plus tard, mon chouchou. Alors, on va dire ça. Hé, hey, Kristen, je t'ai laissé la meilleure cam dans le coffre. Le code, c'est la date à laquelle mon chien est devenu employé du mois. T'es intérêt de... Hein? C'est pour ton dos. Ok, prends soin de toi, Mia. Regardez si c'est revenu. Mais c'est revenu, mais c'est fantastique. Merci OBS. Je sais pas. Je sais pas pourquoi il fait ça. Mais c'est reparti. Allez. Alors, fais voir. Parce que, normalement, si tout va bien, il me semble qu'on avait vu un truc d'employé du mois, là. Son chien. Non. Alors, juillet 2013. D'accord. Juillet 2013, la photo du clébard, trop bon. Allez, fais voir. On va essayer de faire ça. Alors, bim. Alors, du coup. Comment ça fonctionne? Oh, d'accord. Non, 07. Dans l'autre sens. 2013, hein, on a dit, il me semble. Je crois que c'est ça. Mim. Ah, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Fais voir. On va aller regarder. Attends, je me souviens plus. Eh oui, juillet 2013. Alors, attends, fais voir. Dispatch de contenu, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Mais juillet, c'est bien 07-2013. Pourquoi donc? C'est bizarre. Alors peut-être dans l'autre sens, peut-être 2013 et puis après juillet. Non, dans l'autre sens. Donc ça c'est bon. 2013. Mais bon. Ah non, mais zut. Je pense que je me suis trompé tout à l'heure, j'ai pas fait ça dans l'autre sens, pardon. Je crois que c'est là où je m'étais trompé tout à l'heure. 20 et là on descend et je crois que là c'est bon. Mais oui, ma faute. Romain Soso, désolé. Hein. OBS fait des siennes. Waouh, c'est Noël. C'est Noël, les gars. Allez, hop, hop, hop.
31 stimulants. Appuyez pour accéder au menu des améliorations. On va regarder ça. Alors déjà, non, on peut pas. Zut, j'aurais bien fait... Ouais, on va faire l'écoute, hein, je pense. Kit médical. Pour l'instant, c'est bloqué. Non, kit médical, on pourrait le faire. Augmente la rapidité d'utilisation du kit médical. Écoute, vitesse, emplacement 2. Ok, écoute, on va faire cet emplacement-là. Là. Augmente la vitesse de déplacement en mode d'écoute. Ok, allez, on va prendre ça, les amis, pour l'instant. Et je pense qu'on est bien apprenti. Bon, c'est bien déjà l'apprenti. Coucou mon Dieu la frite, comment tu vas? T'es en forme? Est-ce que tu vas bien, les... mon petit Joe? Merci d'être passé. En tout cas, je suppose que tu as raidé la chaîne et merci. Merci à toi. Merci pour ton raid de 3 personnes. Bienvenue les amis, installez-vous confortablement. Je s'occupe de tout, vous s'occupez de rien. Je suis vraiment désolé parce que Twitch a fait en sorte que... que quand on est en dessous de 5 pour les raids, eh bien, ils n'apparaissent plus sur la chaîne et je trouve ça très dommage. Mais merci à tous, installez-vous confortablement les amis. On est sur The Last of Us numéro 2 et puis on va continuer l'aventure. On est au tout début hein, les amis. On est vraiment au tout début de l'aventure. Est-ce qu'on a quelque chose? On n'a rien. On fait un petit peu le tour. Et bien sûr, on va se faire arracher comme jamais, juste derrière, vous voyez. Allez, fais voir. On fait un petit peu de discrétion, c'est plutôt pas mal. On a pris des pilules, ça permet d'upgrader. Ah, t'avais hâte de venir me voir sur le jeu, c'est vrai. Eh bien écoute, non, mais ça va, hein. Ça va, mais tu sais que je stresse toujours, moi, sur ce jeu, genre de jeu. Mais... allez, lève-toi s'il te plaît Ellie, parce que là, on n'y voit rien sinon. Ok, fais voir, on va prendre ça. Je fouine toujours, hein. J'ai toujours cette mauvaise habitude de fouiner un petit peu de partout. Je pense que là, normalement, eh non, pas encore. Il nous manque un tout petit peu d'alcool pour pouvoir faire ce qu'on veut. Et avec de l'alcool, ben, c'est pas que la fête est plus folle, c'est qu'au moins tu peux te soigner. Allez, ça va. On va passer de l'autre côté. On va juste se caler pour regarder... Mais ça doit le faire. Mais t'es sérieux? Sérieux? Mais t'es sérieux? On dirait Lara la poissarde. N'importe quoi. Non, non, il n'y a pas... Eh, hey, coucou ma Cléliane, comment tu vas? Oula. C'est pas simple, c'est vraiment pas simple, mais merci Cléviane d'être là. Ok, éliminez futurement le cloqueur avec votre cran d'arrêt. Approchez-vous discrètement et appuyez sur... Poussez légèrement pour vous déplacer discrètement. Ça y est, c'est reparti. C'est reparti mon kiki. Alors, fais voir. On a elle, là, Josiane de Cocunietos, qui est juste là. Très très belle. Et on en a une autre là-bas. Et on les aime pas du tout. Et c'est reparti. C'est reparti la galère, les amis. Alors, on va peut-être attendre qu'elle revienne, non? Je ne m'y attends plus. Elle va revenir. On va regarder un petit peu la routine qu'elles ont, hein, les poulettes, là. Ce bruit est affreux, mais tu m'étonnes. Dites-moi si c'est pas trop fort, hein, parce que j'ai mis un peu fort peut-être pour les dialogues. Et du coup, je sais pas si c'est vraiment très équilibré. Je veux bien... Je suis une loque. D'accord. Mais moi je suis une loque, mais devant ça en fait, Cléliane. Ah, non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. T'énerve pas Josiane, ça va bien se passer. Elle nous a pas entendu. Elle nous a pas entendu. Nous sommes un flocon de neige. Voilà. Tu vois, c'est je suis une feuille qui a failli partir. Hein. Mais non, je suis un flocon de neige. Effectivement. Allez, allez, fais dodo. Voilà. C'est bien, c'est bien. C'est tout, c'est tout. Bon courage, mon toka. Bonne nuit.
Et merci d'être passé en tout cas, mon Toki. Pardon. Allez, on va passer là, là. En espérant qu'elle ne nous fasse pas un sauteuil. Ah ouais, mais non. Allez, viens là. Ah. Allez, Jackson. Michael ? Lapin ? Tu crois qu'on y arrive là ? Ouais, c'est bon. Michael ? Mais quelle nouille, je suis nouille. C'était pas ça, c'était pas bon les amis. Voilà, merci. Je me suis trompé. Ces saloperies aveugles me donnent la chair de poule. Ah, j'ai pas... Non, alors j'ai vu que tu l'avais mise, mais j'ai pas eu le temps de regarder, si tu veux, parce que... Ensuite, on se casse de cet endroit. Ça, je suis d'accord. Parce qu'en fait j'étais en voiture et donc j'ai pas pu le balancer en fait. Chouchou. Alors qu'est-ce que... Attends, est-ce qu'on a des trucs là? Parce que c'est pas tout ça mais... Alors ça c'est plein. Je regarde si on a pas de quoi se soigner là-dessus. Mais j'ai pas l'impression. Il a l'air de rien y avoir. Hop. Et c'est bien dommage. Ellie. J'ai trouvé la porte. Et parmi les milliers. Par le bas. Tu préfères des fiches cartonnées pour les emplois de bibliothèque des élèves. Trop bien. Quel âge ils ont? Je sais plus si je t'avais demandé quel âge ils avaient tes élèves, Cléliane. Allez hop. Je te prépare un cadeau. Merci. J'aime les cadeaux. On adore ça. Oh, il y a Docteur La Science là, regarde. Il est vachement bien. C'est Dr House. Il est là les amis, Dr House. Allez, fais voir. Yep. Et voilà, pi, voilà, pas, voilà, poum. Ici, salut. Oh, un cocktail Molotov, mais bravo. Nous, on adore. Yep, on prend ça. Merci. Ah, ben comme mon fils, en fait. Comme mon fils. Alors, le cocktail Molotov met le feu à une zone. Maintenez L2 et visez et appuyez sur R2 pour lancer. Ok. On connaît. On va ranger. Alors, il faut... Alors, confectionner, débloquer. Allez, c'est bon. Confection, débloquer. Mais on va pas faire ça. On va faire ça. Parce que du coup, on n'en a pas suffisamment. On va sélectionner et faire de quoi se soigner. Est-ce qu'on peut faire... Non. Allez, c'est pas grave. On va regarder quand même si on n'a pas autre chose. Tiens, regarde, on a failli oublier des pilules. Il faut qu'on prenne deux gouttes, les papas. Ok, c'est bon pour ça. Est-ce qu'on a autre chose? Je ne pense pas. Allez, fais-moi la courte. Coben. Ok, c'est bon, chouchou. Ouais, il y en a un petit paquet. Mec, on va les... Ouais, on va commencer par les coureurs. Alors, on en a un là, juste en face de nous. On va voir un petit peu sa routine. Fais voir un petit peu ce qu'on a là, là. Punaise, il y en a de partout, effectivement. Alors là, normalement, on est bien. La dame ? La dame ? Elle m'a pas l'air bien, la dame, là-bas, hein, sur le côté, les amis. Allez, fais voir. On y va. Allez, c'est bien, c'est bien. Ok, ça c'est fait. Oh, super, il drop. Il drop des trucs en plus. Alors, normalement, il y en avait un par là, non? J'ai rêvé. Il est peut-être repassé par ici. Il repassera par là, il court, le furet. Ah voilà, ça revient. Ça s'en va et ça revient. Attends, parce qu'il y a Josiane, elle est pas bien là. On va lui laisser faire le tour. C'est bon, il y a Claqueur le dauphin par là-bas. Donc on va y aller. Viens, viens, viens. Viens. Voilà.
Ok pour toi. Ça va bien. Ok. Bon par contre tu vois il drop des trucs pour se soigner, donc ça c'est plutôt pas mal. Ok, on y est presque. On y est presque. Ça y est, le cocktail Molotov, on va bientôt pouvoir le prendre. Là, attends. Bon, par contre, elle n'est pas belle, mais pas du tout, quoi. Fais voir. On va regarder ce qu'on a là. C'est exactement ça, Joe. Exactement. Tu me connais bien maintenant, hein. T'es un drôle de mec, toi. Il y en a un peu de partout là, sérieux. On va essayer de passer comme ça. Oh, salut. Nickel. Alors, c'est quoi ta routine à toi? Métro, boulot, dodo? Non? Pas sûr. Pas sûr du tout, les gars. Elle s'est bien passée ma journée. Ça se passe moins bien la soirée là. Du coup. Tu sais, dès que j'attaque ces jeux-là, moi, généralement, ça se passe un peu difficilement. Allez, sois sympa, Josiane, va de l'autre côté. Non, mais t'es sérieuse? Sérieux? Tu fais ça comme ça, toi? Allez, tourne-toi. Non. Si, elle le fait. Attends, je vais essayer de la contourner. On va essayer. J'ai pas dit que j'allais réussir. J'ai dit je vais essayer. Mais elle est où? Mais t'es où? Elle est où? Josiane? Josiane? Elle est passée où? Mais sérieux? Sérieux, t'es où? Elle va nous soulever comme jamais. Elle va revenir par derrière, tu sais. Nous, on l'a pas vue. Je la vois pas. Mais. Elle nous a tués, là. Là, elle nous a tués, je te jure. Elle est partie, je la vois plus. Elle va repopper comme ça, tu sais. Comme Iggy. N'importe quoi. Attends, on va le laisser faire lui. Faut pas qu'il. Lui par contre, faut pas qu'il nous voit. Voilà. Ah bah voilà. Non, là il faut. Allez, tu nous as pas vu, nous sommes un flocon de neige. Bien sûr. Petit flocon, toi qui n'as pas d'aile, ah, tu peux pas voler. Allez, viens. Josiane, viens là, s'il te plaît. Voilà. Voilà, c'est bon. On y est. Enfin, je crois. C'est bon. Est-ce qu'on les a eu tous eus? Mais du coup, elle est passée où là? Eh, mais elle a repopé là-bas, regardez. N'importe quoi. Allez, fais voir. Je crois qu'on peut se faire de quoi se soigner encore. Et du coup, bah, c'est ce qu'on va faire. On va soigner les loulous. On va venir ici. Et on va prendre un pansement qu'on va appliquer. Non, non. Voilà. Pardon. Autant pour moi. Faut pas que je me trompe de bouton. De bouton, pardon. Mais c'est ça. Mais c'est complètement ça, en fait. C'est complètement ça. Tu sais. J'ai toujours fait comme ça. C'est vrai, c'est rigolo. Hein. Attends, on va laisser la soulever celle-là. Ok, il reste plus qu'elle, donc. Mais elle nous a troll tout à l'heure. Elle a disparu. Ah, mais c'est pour ça. Mais d'accord. Mais d'accord, on n'avait pas vu. C'est pour ça en fait. C'est parce qu'on n'avait pas vu. Elle est passée par là tout à l'heure. Et du coup, on a bien fait parce que regarde. Oh, je t'avais pas vu. Voilà, tu te calmes, tu te calmes. Ok. Putain. Allez, c'est bon, on va prendre ça. Il en reste Non. Je dirais que non. Tu sais quoi? Non, on est impressionnante. Ouais, ils vont okay. Pas nous croire quand on leur donnera notre score. On n'avait pas Allez. Vu ça tout à l'heure, t'as vu ça? Regarde, bon, attends. Prochain poste de guet. Et on fait une pause. On a ce qu'il faut là. On l'a bien mérité. D'accord. Allez. C'est bon. Tu vois une sortie?
Une sortie, peut-être par ici, non? Pas du tout. c'est ça, Dio. C'est exactement ça. Mais alors, du coup, par où sort-on? Eh bien, par là. Bien sûr. Alors, on est un peu trop près, c'est ça. Il faut baisser la tête, comment ça se passe? Mais ça m'avait pas manqué, Joe, hein, promis. Promis, ça m'avait pas manqué. Ça bouge pas. Ah bah, c'est facile. Il suffit que tu me lances à travers ce trou dans le toit. Bah voilà. Okay. Allez, fais voir. Alors, on recule. Oh cool. Ça devrait tenir. Mais t'inquiète, tout va bien se passer. Tu m'étonnes. Allez, viser et lancer. Par là, là? Ouais, peut-être. Oh non, c'est ça. Bim. John Wayne. Ça s'appelle une John Wayne, les amis, si vous savez pas. J'en ai fait des milliers. Alors. Oui. Ok, c'est bon. J'y vais. Allez hop, t'es sûr? Attends, on va aller tenir la machine là parce que mes mères, je trouve que t'as bien mangé hier. Et du coup, on sait jamais. Si jamais ça part, tu descends en barquette après. Et c'est pas bon. Allez hop. Allez. Alors, avec Alain. Voilà, bien sûr. Joli petit flocon de neige. Par ici. Voilà. Oula. Oula. La tempête approche là. Ouais, clairement. On est loin du poste de guet. Pas du tout. C'est juste après la prochaine ville. C'est juste à côté. Je suis. C'est juste derrière en fait, le poste de guet. Il est Il est juste derrière les 15 zombies. Et heureusement qu'il y a la neige, ouais, c'est ça. Hey, t'es encore loin ? Ça camoufle encore un peu, tu sais. Okay. Je me souviens plus ce comment il s'appelait ce jeu là. Eh ben c'était Silent Hill. Le premier Silent Hill qu'ils ont sorti. Où, en fait ils avaient été très forts parce que tu voyais pas grand chose dans le jeu. Et tout était sur le. Sur les bruits, sur et c'était très très fort en fait pour l'époque, j'ai trouvé. Je sais, ma belle. Allez, par contre, continue. On ne voit plus Josiane. Dina, c'est voilà. Encore loin. Mais pourquoi il avance pas le cheval là? Dina n'est plus là. Elle Dina. Dina. C'était la dernière fois. Je t'avais dit qu'elle était trop lourde. Ah, il était cultissime et clairement. Par contre, je me suis paumé. clairement. Et là, elle est passée. Dina. Josiane. Est-ce qu'on fait demi-tour là? Non, peut-être pas. Merde. Zut, tu veux dire. Elle veut dire zut, hein. Ne vous affolez pas. Voilà, est-ce qu'on peut rentrer là? Pas du tout. Canasson, il aime pas bien. Ah ouais, c'est fait pour. Je pense qu'on en vient de là en fait, mais. Dina. Alors, il y a un camion. Là, je pense qu'on a fait le tour, non? Tiens, on va passer par là, peut-être. Dina. Non, on en vient. T'es où? Je te vois. Mais tu nous vois? Oh, super. Oh. Allez. Mais on en vient, tu sais. Où est-ce qu'on va? Didi, t'es où? C'est ça.
Où t'es, Dina, où t'es? Où t'es, Dina, où t'es? Va à l'intérieur! Allez hop! Alain, Alex, les frères intérieurs. Ah, on est de... On est côté fiction. La maison, sacrée tempête. J'ai vu. Je suis passé devant. Sans entrer. Bon, on va s'assurer qu'il n'y a personne. Allez. Désolé. Désolé, désolé. Ouais, ça va nous sauter dessus comme Jaja, hein. On le sait. Alors le chevaux, il est là. Ouais, j'ai pas l'impression. Peut-être. Là, on peut pas passer. Ouais, c'était trop facile. Est-ce qu'on peut grimper par là, là? Pas du tout. Est-ce qu'on peut pousser ça? Peut-être. On va voir. Non. Ils vont pas vouloir. Une fenêtre, ça se verrouille pas. Pour briser une fenêtre, utilisez des briques, des bouteilles, des dalles ou vos poings. D'accord. Ah, mais on va... D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Tiens, attrape ça, s'il te plaît. Aïe, pardon. Allez, fais voir. J'ai toujours bien aimé Ellie avec son couteau. Hop, allez. Pas du tout. Allez, c'est bon, on a pas mal de trucs à récupérer là. Ah oui, c'est la fête. C'est la fête au boulon, les gars. Ça va boulonner sévère. C'est forcément Eugène. Oui. C'est Gégène. Personne d'autre s'amuserait à bidouiller tout ça. Mais pourquoi il me l'a pas dit ? Faut appeler Carglass, c'est ça. Carglass remplace. Carglass répare. Et c'est bien parce que... Non, c'est pas l'heure et pas le moment. Mais je vous expliquerai un jour. En off. Je vous expliquerai. Les Carglass. C'est comme beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oh ! Ça, on peut régler la température, les amis. Plus ou moins chaud pour vous. Allez, fais voir, on va essayer ça. Oh oh. Eugène, d'accord. Ouais, c'est bien la planque d'Eugène. Il faisait partie des Lucioles. Ouais, avec Tommy. D'accord. Je savais pas. Ouais. Ça sent pas bon, ça sent pas bon, ça sent pas bon. Il a dit qu'il avait fait sauter un poste de contrôle dans une ZPIC Denver. Trois soldats sont morts. Est-ce qu'on a quelque chose par là? Eh oui, je tire la langue. Bordel. Ça m'arrive. Il m'a dit aussi que lui et Tommy avaient torturé un général. Ah, super. Je sais pas, j'ai du mal à imaginer Tommy faire tout ça. Il a fait pire. Comment ça? Lui et Joël ont fait pas mal de trucs pour survivre après l'épidémie. Donc là on en vient, que je dise pas de bêtises, que je loupe rien surtout. On va regarder un petit peu par là. Hein. Je pense que ce serait bien. Est-ce qu'on a quelque chose? Hey, salut! Allez, nos cartes à collectionner, mais on a plein de BD là, c'est cool. Tu crois qu'il y a une BD d'Avengers là? Une ou deux, on n'est pas bégueule, hein. On prend ce qu'il y a, non? Par contre, j'essaie de trouver une machine à café, j'ai pas trouvé depuis tout à l'heure. J'aimerais bien en trouver une. Histoire de se faire couler un kawa avant de dessouder deux zombies, tu sais. Ah, par contre, du coca, il y en a un, ça. Un petit réchaud à gaz. Allez, fais voir. Hop.
C'était pas du tout ce que je voulais faire. Oh, c'est pas grave. C'est Tommy et Eugène. Ils ont des têtes de bébé. D'accord. Hop, autant pour moi. Ouais, il doit, ouais. Alors, fais voir. Là, c'était ça que je voulais faire, en vrai. Voilà. Petit générateur. Alors, y a-t-il un générateur? Mais bien sûr qu'il y a un générateur. Alors là, il y a des prises, des fils. Yep, là-bas. C'est quoi, c'est un ordi, ça? Il allume les ordi avec le générateur? On va regarder par là, là. Alors là, c'est fermé. J'ai trouvé le générateur. Voilà. Alors là, quand on va mettre le générateur, ils vont venir nous agresser. On va regarder s'il y a quelque chose d'autre par là. Pas du tout, mais je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose avec ça, peut-être après. Allez, de ce côté-là. Oh, c'est nouveau. Nouveau système. Alors, je vous l'avais dit. Ça c'est rigolo parce que tu vois, c'est modifier ton arme juste parce qu'il y a une lampe qui s'est allumée. C'est quand même un peu gros. Ok, alors, 65. Ok. Capacité, stabilité, recul. Allez, améliorer. Alors, cadence de tir, il y en a pour 40. Stabilité, remplacer la crosse pour améliorer sa stabilité, 35% stabilité en plus. Équipez votre arme d'un compresseur pour réduire son recul et confectionner un magasin de capacité de 4 en plus. Écoute, on va commencer par celui-ci et puis on verra bien déjà. Ce sera déjà pas mal. Ok, bricoleuse obtenue, on est comme ça nous. Jojo le bricoleur, c'est nous. Et les amis, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter là pour ce soir. Ouais, ça va le faire. Est-ce que... Attends, on va regarder si on peut faire l'autre. Mais pas du tout. On va regarder quand même, mais vraiment pas. Mais du coup, c'est tellement beau qu'il n'y a pas de souci. Ok, on ferme. Oh, d'accord. Ah, mais c'est génial. Bim. Ah, c'est trop beau. Ah, ça, c'est trop beau. Ouais, économie d'énergie, bien sûr. Économie d'énergie, bien sûr. Hein. Ça en impose. Est-ce qu'on pourrait pas l'éteindre? Alors, attends, on va regarder. Tutoriel et sauvegarder la partie. C'est ici. Comme ça, on le sait. On va regarder ce qui se passe un petit peu. Sauvegarde auto. Créer une sauvegarde. D'accord, c'est sauvegarde auto, de toute façon. On va faire comme ça, quand même. Et on est bon, on s'est fait 2 heures de live là-dessus et c'est déjà pas mal pour commencer, je pense, les amis. Il est 10h. Je pense que c'est une bonne heure pour tout le monde pour aller se coucher. Hein, je sais pas ce que t'en penses, Kléliane, mais avec les journées que tu dois te taper avec les loulous pidou à la crème. Ah, mais regarde, si on est bien. On a du chauffage, on a tout ce qu'il faut finalement. Regarde par terre. Il y a d'autres trucs en bas. Oh, salut. Tu vois un moyen de descendre ? On va soulever des lames. Pas ici. D'accord. Et donc, tu crois qu'on peut aller par où pour descendre? Parce que là, du coup, ouais, c'est bon. On a trouvé. Hop. Aide-moi. C'est plutôt plaisant d'avoir Ellie. J'ai toujours bien aimé incarner Ellie, plus que Joël en tout cas. C'est pour ça qu'il t'en a pas parlé. N'importe quoi. J'espère pour lui, c'est un bon jeu SM. N'importe quoi. Par contre, tu vois, j'aime pas ça. Vraiment pas. Mais pour l'instant, on peut pas sortir d'arme. Waouh, il fait pousser du chanvre. Trop bon. C'est de la weed. C'est de la beuh. Ça fait beaucoup de weed séché. Ah, ils appellent ça de la weed. D'accord. Ça explique pas mal de choses. Bah, il y a de quoi faire des putains de space cake là. Space cake, pardon. Space cake.
Voilà, c'est ça. Ça va mieux. Tu vois, c'est l'heure, hein, c'est l'heure que j'ai au dodo. Mais c'est clair. Ça a dû lui prendre des lustres. Claire. Il aurait dû m'en parler. J'aurais pu l'aider. La drogue, c'est mal, les amis. C'est mal. Après, vous avez plus de cerveau, ça a tout mangé. Ah ben, génial. Ils ont fait un bang. Ils ont fait un bang avec un casque. Il était vraiment pas. N'importe quoi. Non mais sérieux, ouais. Vraiment. Vraiment, vraiment. Mais non. C'est pas anodin quoi. Ça reste de la drogue. Et rien n'est anodin. Et je dis ça en tout état de cause puisque. Puisque j'ai fumé des cigarettes, moi. Et c'est vraiment de la drogue aussi. Pareil. Et ça devrait être interdit, pareil. Mais ça fait gagner des thunes à l'État, donc. Mais bon, c'est un autre débat. Oh, intéressant. Tu mais il n'y a pas de petite drogue en fait. Ça périme la weed. On va voir. Donc, c'est mal. Un coup de main. Non, c'est bon. Mais casse le pot, c'est un pot en verre, casse-le. Enfin, je sais pas. Tu peux faire mieux. Ah, j'avoue. C'est. Ouais. Ah, et merde. Eh ben voilà. Putain, elle est trop forte. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi ? Eh, je sais, Soso. C'est pour ça que j'ai arrêté. J'ai pris 10 kilos. Hein. 12, 10, 12. Mais j'ai arrêté. J'ai réussi en tout cas, mais c'est terrible. C'est une addiction. Les addictions sont terribles, toutes, quelles qu'elles soient. Les jeux d'argent, la cigarette, l'alcool. On va rester coincé un moment. Les femmes. On est pris au piège. Je savais qu'elle te plairait, celle-là, Soso. Je peux te poser une question? C'est pas ce que tu viens de faire? Sur une échelle de 1 à 10. 1 étant complètement nul à chier. Ah, elle va lui demander comment c'était le baiser. Je suis sûr. 100%. Couper le souffle. Et je l'ai pas vu. Hein. Et je l'ai pas fait. Note, tu donnerais à notre. Tiens, tiens, y a rien là. Et je vous jure, je l'ai pas fait le jeu, je l'ai pas vu. Pourquoi tu veux revenir là-dessus? Non, mais pour savoir. T'as dit que c'était une erreur. Moi, j'ai dit ça. Ouais. À quoi tu joues? Je te demande juste de noter ce baiser. J'ai compris. Moi je dirais 6. Je l'ai trouvé, hein, mais je l'ai pas finalisé. 6, c'est déjà pas mal. Ok. Il y avait du monde autour de nous. Ouais, 6. Bah, quoi? J'ai vraiment envie d'entendre ta note maintenant. Je crois pas, non. Le bisou, chiant, tu sais. Le bisou. C'est toi qui dis ça. Tu me donnes envie de retourner en plein blizzard. Personne t'en empêche. T'as intérêt à faire mieux que 6. Au lit les enfants, c'est ça, c'est moins de 18 les chouchous. Allez hop. Et c'est ça qui a fait tout un pataquès sur le jeu. Ah bah. Il y en a vraiment qui sont étroits d'esprit, hein, je te le dis.
Punaise. Ok, on est avec Josiane, numéro 2. Et ils sont... Oula. Ok. Là, il y en a un, là, je crois. Allez, fais voir. On n'avait pas dit qu'on s'arrêtait là. Il y avait un autre là, hein, non, il me semble. Ouais. Je pense bien. Oui, oui. Mais clairement, Soso, mais c'est... Je te jure, hein. Faut vraiment avoir un... Enfin, je sais pas. Comme tu dis, on est en 2020, il faudrait que les gens ils progressent un petit peu. Mais ça m'étonne pas, en fait. Tu sais, ils sont tellement habitués... on est tellement habitués à être clivés que... Hey, bonsoir, en tout cas, comment tu vas? Eh, hey, dis donc, Toka, quand est-ce qu'on peut gagner à ton jeu? Non, parce qu'il n'y a que toi qui gagne. Oh là, mais il y a du monde, là. Oh, les poupous, les poulets. Ils sont 258 012. Ils sont tous en face de moi. Là. Non. Oh, cours. Voilà, c'est bien ce que je dis. Allez, c'est par là que ça se passe, je suppose. Allez, Johnny. Jump. Et là. Ah bon, c'est par là. Ok, autant pour moi. J'avais pas vu. Je m'excuse, hein, les gars, mais on court. Hein. On se raccroche à la vie. Attends, Toka, je suis à toi comme la sardine de ta ville. Par contre, par là-bas. Donc moi, je prends l'autre. C'est ça. Donc moi, je vais ailleurs. Eh mais vous êtes sérieux les gars là? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes malin? Qu'est-ce qui vous arrive? Oula! Dégage! Voilà! Oula! Ah c'est pas par là! Tu vois! Par où que ça se passe? Je vois pas! Non mais parce que je vois pas en fait! Ah c'est là! Voilà, hop, je pense qu'il faut passer comme ça vraisemblablement. Allez hop. D'accord. Comme ça. Oh là 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 là, l'itinérique. Oh punaise. Mais tellement ça me stresse. Non, mais il n'y a pas de problème, ça gêne pas au moins que tu utilises ton deuxième truc, mais non, pourquoi ça gênerait ton cas? Allez hop, allez, non, mais c'est mon bonnet. Mais mon bonnet, mais t'es sérieux, hein? Il m'a chouré mon bonnet, le con. Bordel. Allez, vraiment, j'ai ailleurs. Je suis pas ton repas. Merci. Merci. C'est le lutin malin. Ah, mais c'est Joël. Mais j'ai pas compris, en fait moi je croyais que c'était Joël qui le... Par où? Mais je vois pas, je sais pas par où sont passés, qu'est-ce que vous faites là? Ah, non, je sais pas. Allez, viens là. Oh, putain, la foule de phalange là. Je te dis que ça. Allez, voici mon copain. Oh, la droite qu'allumée. Mais il fallait rentrer où? Joël. Putain, t'es... Ouais, mais j'avais rien vu de tout ça, moi, tu sais. J'ai pas de meilleure idée en tout cas. T'as un flingue? Ouais.
Allez, fais voir. On va soigner déjà. Ah, c'est terrible. Ouais, une bonne patate de foin, exactement. Un coup de piste partiate. Oh, yes, papa. On va prendre ça. Elle m'a paré goldée, la chouchounette à la crème. Et donc, moi je veux bien, mais je sais pas. Tu dégages. Ok. Allez. Voilà. Et ils veulent passer par où, par contre? Par où tu veux passer, Joe? Punaise, je vois pas par où ils veulent passer, les mecs. Par où? Par là? Oh punaise, mais c'est pas vrai. Quoi? Mais arrête de me gueuler dessus, ils sont malades, les mecs. Allez, c'est bon. Alors, je vais sans doute pas rester longtemps, j'ai toujours pas fini mon travail sur mon livre de français. Voilà, pardon. Et demain, j'ai un contrôle d'histoire, question problématique. Eh ouais, tu m'étonnes. Non. Il est où? Ouais, c'est bien. C'est terrible, hein. Je vois. Hop. Tiens dans ta mouille, bordel. Ça va pour toi. Ils sont là tous. Ah, l'esquive. Voilà. L'esquive. Je sais pas. Oh, mais c'est... Ça passe de partout en fait. Ça passe complètement de partout. Pfiou, ouais, c'est terrible. Ouais, terrible. Terrible, terrible, je trouve que tu vois mal en fait. C'est pas très grave, mais. Reste à côté de nous. Où est-ce qu'on va? C'est par là. Allez. Il va partout. Ouais. Surtout ralentis pas. Non, non, mais on va essayer que pas. Par ici, vite. Mais je pensais que c'était lui qu'elle cherchait en fait. Je pensais que c'était Joël qu'elle cherchait. Mais du coup, je sais pas trop, je suis pas sûr. Mais ce week-end, il y a des amis qui m'ont pris un jeu. Phasmodia, ce qui paraît, il est bien. Merci. Ah non, mais ils se connaissent. Mais j'ai rien compris, alors je sais pas qui est le. Faut faire demi-tour. On pourra pas cavaler jusqu'à Tierson. Il faut barricader cette porte. Tommy, on peut pas rester ici. Les chevaux tiendront jamais jusqu'à là. J'ai des amis qui habitent dans une maison vers le nord. Elle est barricadée et on contrôle le périmètre. Le domaine Baldwin. On peut y arriver. Ok. Allez. Je m'occupe de la porte. D'accord. Tu viens avec moi. Allez. Allez. Mais je pense que c'est lui qu'elle voulait en fait. Je pense que c'est nous qu'elle cherche, mais je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est nous qu'elle cherche. Oh là là, le monde. J'avais 12 ans, j'ai trouvé un skateboard, et j'ai essayé de monter dessus. Ah, par contre, chouchounette, t'aurais pu et raser les poils. 5 mètres plus loin sans moi. Bon. Mais pourquoi t'as cette cicatrice? Je suis tombée sur mon couteau.
la brûlure là. Oh. Je l'ai fait exprès. Pourquoi ? Pour cacher une morsure. Juste là. Quand j'avais 14 ans, un infecté m'a mordu. Et... Non, en fait, je suis... immunisée. Alors, j'ai eu une putain de cicatrice, avec des traces de dents, des kystes et... Aïe! T'es chiante. Quoi? Lui dit la vérité. Moi, je t'ai raconté une histoire vraie. Mais moi aussi, c'est une histoire vraie. Tu veux que je te morde? T'as entendu? Jessie? Oh, merde. Reste où t'es, d'accord? Non, non, attends deux minutes. Mais retourne-toi, bordel, qu'est-ce que tu fous? C'est une blague. Vous étiez censé patrouiller. Eh ben, c'est ce qu'elles ont fait. C'est blizzard dehors. C'est de la weed. Qu'est-ce que tu fais là? Putain. Vous savez que des gens comptent sur vous. C'est important ce qu'on fait. Alors pourquoi t'es pas au poste de guet? Parce que Tommy et Joël sont pas venus. Comment ça? C'est ça. On les a attendus pendant une heure. Je cherchais leurs chevaux et j'ai vu la lumière. Ils sont peut-être rentrés en ville. Sans se faire remplacer, je crois pas. Est-ce que t'as couvert beaucoup de terrain? Non, pas beaucoup. Alors on se sépare. On prend des directions différentes. On peut couvrir le secteur en quelques heures. J'aime pas vous laisser seul. C'est dangereux ici. Justement, on s'occupe, ici, ils ont besoin d'aide. D'accord. Je vais vers l'ouest, Dina va vers le sud, et toi vers l'est. Mais pas de conneries, ok? Un peu de weed, un peu de câlin, tout va bien. J'aime bien. Pas mal quand même. Pas mal quand même. Le début est pas mal. Toujours un peu stressant, mais le début est pas mal. Pas vous me connaissez, faudrait-il que... Ok, l'ami Joël. C'est vous. Dégagez, con de mine. Putain. Pardon. Autant pour moi, les gars. Pour ceux qui l'ont pas, c'est la cité de la peur. Et pour les autres, vous avez mon âge. Douche au Népal. Au Népal. Parce que douche au Népal, c'est pas la même chose. Enfin, ça doit être sympa, une douche au Népal. Tu sais, il y a... Il y a tout au Népal, hein. C'est pas que, que les montagnes et le Kilimandjaro et... le Kilimandjaro. N'importe quoi. Putain. C'est pas grave. Ça va bien se passer, je vais me coucher. Je prendrai mes pilules et demain ça ira mieux, les gars. Oh punaise, l'Himalaya, bien sûr. Le Kilimandjaro, c'est pas là. Tu te calmes, Loïc. C'est pas que de la haute altitude, pardon. Plus que tu n'imagines. D'où vient votre électricité? Où t'étais passé? Merde. Il y a des panneaux solaires sur le toit. Et c'est qui ces types? Et vous êtes là depuis longtemps? Non, depuis hier. Ah, ça, mon toka, c'est le problème, ouais. C'est que... Et qu'est-ce que vous faites dans le coin? Ils m'ont fait grimper le son tout à l'heure. Et vous habitez par ici? Ouais, quelques kilomètres plus bas. Vous devriez rentrer avec nous et faire le plein avant de partir. Voilà. C'est sympa. Tu me diras si ça va mieux. Okay, tout à l'heure, ils m'ont fait grimper le son parce que c'était pas assez. Et effectivement, j'avais demandé à ce qu'on me dise si jamais. Merci, mon toka, en tout cas. Quelque chose m'a dit que vous nous connaissez déjà. Ouais, on te connaît. Ah, aïe. Mais c'est pas des tarés. C'est bon. Il est à chasse. Mettez-le contre la vitre. Tommy! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Ouais, je les ai rajoutés après. Puta madre!
Bah, tu sais, on a tué tellement de monde que... Récite-moi le discours que t'as préparé pour l'occasion. Finissons-en. Sprint sa jambe. Allez. Je savais qu'elle le cherchait, mais je pige pas là, en fait. T'as pas intérêt à bouger, putain. Écartez-vous. Elle m'a pas aimé, Ellie. T'es vraiment un imbécile. Tu croyais crever si vite? Aïe. Enduisez le trou. J'ai boîte matinale, j'ai mal. Allez, c'est bon. Allez les loulous, on va s'arrêter là pour ce soir. On se retrouvera dès vendredi, je crois, dessus. Mais vous avez le programme sur la chaîne. Je vais vous le mettre pendant qu'on sauvegarde et qu'on finit. Ça, normalement, je crois, demain, nous sommes sur du Super Mario Galaxy à partir de 18h. Mercredi, on n'aura pas de live, comme d'habitude en ce moment. Jeudi, on sera sur du Xenoblade Chronicle 2 à partir de 20h30, s'il me semble bien. Et vendredi, à partir de 17h30, nous continuerons notre The Last of Us Part 2, les amis. Et puis on partira sur du blabla à partir de 18h, comme on fait en ce moment à chaque fois. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à follow la chaîne si vous ne l'êtes pas encore et que le contenu vous plaît. Nous sommes en live du lundi au samedi. Hormis le mercredi en ce moment, mais normalement le mercredi aussi, comme Félicie. Et le samedi matin, toute la matinée de midi, de 8h30 jusqu'à midi. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous fais plein de bisous. Et merci encore à tous d'être là. Et on continuera ça vendredi. A ciao les amis. Merci. Bye bye. Ciao. Ne quittez pas. On va essayer de faire un raid chez un copain. S'il y en a qui sont en train de stream. On va regarder ça. Eh bien écoutez, on va chez... je vais vous laisser avec Generous Gnome. C'est une copine, elle est très très gentille, elle est très sympa. Et elle fait... là, elle joue pas pour une fois. Mais elle fait un petit peu d'art. Et du coup, écoutez, je vous laisse en sa compagnie. Vous lui faites un bisou de ma part. Vous lui dites que je peux pas rester, que je l'embrasse très très fort. Faites le raid au moins juste pour qu'elle ait la notif et puis pour que ça augmente un petit peu ces trucs. Je vous embrasse, à très très vite. Allez, merci, bye bye, ciao, bonne soirée. Très bien.